Bonjour à tous et à toutes, à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne Courant Indigo, à tous ceux qui découvrent cette vidéo par hasard, ça n'est pas pour rien, on est ici pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Et toi tu dis hein? Un joyeux Noël. Voilà, alors très rapidement, parce qu'on a toujours beaucoup de choses à vous dire, à vous partager, très rapidement, merci d'avoir partagé avec nous ce parcours Réveiller la magie en soi. L'objectif, c'était vraiment de vous amener tout doucement en ce jour de Noël, enfin cette veille de Noël et le jour de Noël demain 25 décembre, vers plus de sérénité, vers de l'apaisement, mais aussi vers de la joie. D'ailleurs, il y a le sapin qui scintille derrière. Il est vraiment à l'image de ce que l'on vous souhaite dans votre cœur. On vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de lumière, bien évidemment, pour ces jours festifs. Que l'on soit en famille, entre amis, que l'on soit seul également, ce sont aussi des moments particuliers que l'on peut s'offrir. Et ce que j'ai envie de vous souhaiter ici, c'est de retrouver cette magie, même dans ces moments plus solitaires, puisque c'est l'occasion justement de vous faire plaisir, de regarder un film de Noël ou un film qui vous fait rire et de profiter de ces moments importants. Voilà, en fait, vous avez le choix, vous avez votre pouvoir personnel, vous avez la possibilité de choisir entre être mélancolique, nostalgique, triste ou mettre quelque chose en œuvre en vous pour émettre cette vibration de joie qui va inspirer les autres, qui va attirer à vous aussi des moments joyeux. C'est possible, tout est possible, ça commence par soi. Et si ça vous fait du bien, réécoutez les petits contes de Marie, oui. Réécoutez les audios, imprimez peut-être quelques citations, faites quelques actions magiques aussi. L'objectif, c'était vraiment d'aller renouer avec cette joie qui amène la magie, en fait, dans nos vies. Cette joie qui est là et qui n'attend que d'être réactivée, justement, par des petites actions, mais vraiment très simples. Vraiment quelque chose qui nous reconnecte avec qui on est vraiment à l'intérieur de nous. Et c'est important de se laisser cet espace et de se donner cette permission de pouvoir le faire dans la joie, l'amusement, la gratitude, dans toutes ces vibrations porteuses, bien sûr. Et j'ai envie d'ajouter, c'est vrai qu'on avait dit qu'on n'allait pas faire trop long, mais j'ai quand même envie d'ajouter, seulement pour ceux qui sentent qu'ils ne sont pas dans une énergie good vibe hein, pour fêter Noël, j'ai envie de vous dire, mais réécoutez la diguidance de ce début du mois de décembre. Réécoutez-la complètement. Elle est éclairante. Nous-mêmes, nous l'avons réécoutée parce que c'est bien de l'écouter une fois en début de mois et puis après, on oublie. C'est normal, on oublie, on passe à autre chose. Et réécouter cette guidance va peut-être vous aider à changer de perspective et à vous reconnecter au diamant en vous. Vraiment. Voilà. Mais ça, c'est seulement pour ceux qui n'ont pas les good vibes, parce que les autres, vous restez sur cette énergie de joie et de magie et vous fêtez un joyeux Noël. Noël. Au revoir. Au revoir.